Robo seten. Robo seten. Robo seten. Robo seten. Suspicious occasion. Millions of lives across the globe witnessed the ordination of those whom God has chosen to carry the torch of good news as bishops, apostles, prophets, pastors, and ministers of the gospel. From this point forward, the world will be a better place because of you. As led by the Spirit of the Lord, Pastor Arthur Cow released an impartation of a new dimension of the anointing upon his sons and daughters, a moment that birthed a breed of men and women of power. Ministry is not to be taken lightly. It is not a club where we come together and share an identity. It is a spiritual work set by the Almighty God. Mike Songiso, a man with a mighty apostolic grace. He has divine revelation of the Word of God, heading our AMI Namibia. Zilikazi Komalo, a wise and Holy Ghost inspired author, an outstanding and powerful teacher, carries a wealth producing anointing. Stefan Aduya, a mighty man of God, highly prophetic in calling, a vehicle of the deliverance power of God. Shepherd Gwenzi, a servant who's ever prepared to go to the place of the assignment at hand when it is given without dispute, a man of sound wisdom. Jacqueline Bezadenhout, a mighty prophetess with thorough understanding of divine healing embedded in faith. Lady Celeste Lucau, the First Lady of Alleluia Ministries International, a powerful prophetess who commands immense spiritual authority, a mother in Zion. Family of Alleluia Ministries, behold your bishops. Ladies and gentlemen, wise man Gabriel Magasela, today ratified a five-star general in the field of the Lord. I decree and I declare, wise man Gabriel Magasela, you are in the kingdom a five-star general to lead his people and stand with the sword of the Lord. Those who have served under Pastor Alf Lucau in the AMI headquarters or head AMI branches in various cities and countries, they have labored in the house of God. They have laid their lives down for the work of the ministry. This is an army of prayerful vessels who stand in the gap for others. Pastors of Alleluia Ministries International, faithful supporters and pillars to the vision given to Pastor Alf Lucau. Greatest anointing a man can ever have is such as it is imparted unto him. A man heading Spirit Life Mega Church, a powerful prophet who in only 2 years of ministry leads thousands of congregants in the East London area. J. Israel Senior, an internationally recognized speaker, boasts 25 branches within South Africa and across the African continent. Heading Holy Ghost Embassy, D.D. Isaac, founders of Healing Waters International Church, an apostle of power and a woman of stature, all the way from Maung, Botswana, Samson Boichoko Katai and his wife Tabelo Katai, a prepotent power couple leading visionary embassy ministries, and together are shaking Pimville Soweto. Cornelius Kwaramba and his wife, Notando Kwaramba, from Arena of Liberty International Ministries, a man and woman of power, great leaders with in-depth revelation of the power of God, Charles Ibrahims and his wife, Letabo Ibrahims, a mighty servant of God, pastoring Citizens of Heaven Church, a reflector of Christ, set aside to display his power, Joel Stefan Kolonji Mwamba. As I pray for you,
everything will be new. Transformation will take place. A new grace over you. A new power. Pastor, this is your province. This is your province. The Lord is saying, if you give ungrudgingly all your heart, then He will bless you in all your works, and everything you touch shall turn to gold. All you have to do is give. We celebrate your growth. We celebrate the impact that Alleluia Ministries International has made. A huge impact for that matter. These great number of years have proven to be a delicate journey, an odyssey of divine power, growth and spiritual transcendency. Je prends l'épée de l'esprit. Répétez avec moi la parole de Dieu. Je m'engage à demeurer dans la parole de Dieu, à porter du fruit. Je m'engage à proclamer avec hardiesse en tout lieu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aujourd'hui, je prête allégeance à l'agneau de Dieu et je m'engage à vivre pour la propagation de sa parole et pour son plaisir, au nom de Jésus. Amen. Un, deux, trois. Prière de consécration, investiture. Enlevez vos chaussures, ben, prenez le pied droit pour être facilement, voilà, le pied droit, c'est plus facile, voilà. Et les... Voilà, vous prenez s'il vous plaît, les hommes de Dieu, vous prenez les cornes d'huile, n'oubliez pas ce que Samuel a fait à David, écoutez-moi. C'est de l'huile, cette huile-là, c'est de l'huile d'olive. Mais l'acte de foi que les hommes de Dieu vont faire avec votre accord, dès que l'huile va toucher, quand je dirais de poser l'huile ici, là, 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 quand c'est fini, cela veut dire que le Saint-Esprit, à travers ce qu'on appelle ce point de contact qu'ils vont manifester là, le Saint-Esprit va entrer. Vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit, vous êtes déjà revêtu. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Ce n'est pas de revêtement ni de nom. On parle que le Saint-Esprit s'est saisi de vous, comme il l'a dit là. Vous avez franchi beaucoup de choses, la loyauté, la fidélité. Maintenant, ce qu'il veut faire avec vous là, c'est plus que ce que vous avez déjà vécu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons demander maintenant au serviteur de Dieu de oindre le front de ces hommes-là
au nom de Christ Jésus, vous voyez leur front, maintenant, au nom de Christ Jésus, voyez leur front, pour que leurs pensées soient soumises à celles de Christ, au nom de Christ Jésus. À partir du front, vous voyez maintenant, donc, la paupière de l'œil droit, pour que leurs yeux, leur vision soient désormais soumis à la vision générale, au nom de Christ Jésus. Et maintenant, vous allez à l'oreille droite, le lobe de l'oreille droite. Vous mettez l'onction d'huile, voilà, l'oreille, voilà. Placez cela au nom de Christ Jésus. Donc, l'oreille droite. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, vous placez cette huile-là. Et les femmes se tiennent, tenez-vous debout. Mettez vos mains sur les épaules de vos maris. Ok, mettez vos deux mains sur les épaules. Maintenant, sur les lèvres, cela veut dire qu'à partir de maintenant, vos paroles sont soumises aux paroles de Christ. Vos paroles sont soumises à celles de Christ. Après, vous présentez votre main droite et le pouce de la main droite, le pouce. Ça veut dire que l'œuvre de vos mains est désormais livré totalement au Seigneur, car ce sont ces choses-là qui créent des problèmes. Après ça, vous mettez sur l'orteil du pied droit, l'orteil, le pouce, voilà, du pied droit, au nom de Christ Jésus. Quand vous avez fini, maintenant, vous laissez la corne d'huile et vous imposez les mains sur eux et vous priez pour eux maintenant. Placez les cornes d'huile à leur place et chacun d'entre vous posez les mains et faites la prière la plus profonde de votre cœur pour cet homme qui est devant vous maintenant. Amen. Je vais inviter le pasteur Greg. Alors, maître, pasteur Greg, s'il te plaît. Je vais inviter le pasteur Greg à vous remettre la houlette et la parole. La houlette du bon berger et la parole de Dieu. Un seul mot pour vous tous, un seul mot, conquérant. Conquérant. Va et conquiert au nom de Jésus. Va et conquiert au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le même mot, conquérant. Conquérant, mon frère, va et conquiert au nom de Jésus. Un seul mot, conquérant, conquérant, va et conquiert, mon frère, au nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, je vous demande, je vous présente au nom du conseil pastoral les nouveaux pasteurs associés de l'Église, la mission Impact Centre Chrétien, sous vos acclamations, le pasteur Ghislain, le pasteur Christian et le pasteur Mira, qui vont regagner leur place maintenant en acclamant le Seigneur, le Seigneur.